Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul. J'ai craqué avec chérie chez Primark. Vous l'avez vu dans mon weekly vlog. Je vous le mettrai ici. Si logiquement il est sorti. Je vous emmène avec moi pendant quasi 2 semaines. J'espère qu'il sera pas trop long ce weekly vlog puisque je suis en mode montage. Mais j'ai craqué chez Primark et du coup j'avais envie de faire une vidéo un peu plus spéciale ici. Comme ça je vous montrerai tout en détail. Il n'y a pas de Harry Potter pour celles qui veulent voir les choses Harry Potter. J'ai rien eu le temps de voir au niveau Harry Potter. D'ailleurs dans mon Primark à Lille il n'y a pas forcément beaucoup de choses Harry Potter. C'est bien malheureux. J'avais repéré des petites choses sur les vidéos des copines. Je vous mettrai ici 2-3 photos de ce que j'avais repéré, des pulls Harry Potter que je voulais acheter. Voilà, 2 pulls particulièrement Harry Potter que je voulais acheter mais je les ai pas vus. Après mon mari il a fait un peu plus le tour du magasin que moi et du coup je me suis un peu dépêchée parce que vous savez les chéris des fois ils n'ont pas envie de rester 4 heures, surtout avec les 3 petits, hein. Si on était en mode tranquillou bilou on aurait peut-être pris plus de notes, non mais j'y retournerai. En tout cas j'ai pas trouvé ce que je voulais au moment où je suis allée. J'avais trouvé des trucs Harry Potter que je vous avais montré dans mon ancien weekly vlog anniversaire, je vous mettrai ici. J'avais trouvé pas mal de choses pour ma classe donc je vous renvoie vers cette vidéo là si vous voulez voir plus de choses Harry Potter. En tout cas ici il y a beaucoup de choses pour Noël, on sait donc comment ça se préparer pour les fêtes de Noël parce que je vais vous expliquer ça après et puis après je vous montrerai mes quelques achats sur le site Sephora. Oui, on s'est lancé pour des petits trucs de Noël parce que chérie d'un coup a une révélation et voulait lui aussi faire sa petite photo cucul après Léine avec son petit pull de Noël. Je me suis dit ah bon toi tu veux faire ça? Moi j'ai toujours adoré ce truc là mais je me suis dit qu'il allait se moquer de moi donc je lui ai jamais vraiment proposé parce que ça fait très kitsch, très américain et tout, même si lui il adore tout ce qui est américain. Je pensais pas que ça allait le faire. Il a eu envie de le faire, j'ai sauté sur l'occasion. On est parti chez Primark parce que je pensais qu'il y avait eu beaucoup de pulls Noël, ce que j'avais vu dans la vidéo d'Elodie Moitou, qu'il y avait pas mal de choses. Mais dans son Primark à elle, il est vraiment mieux garni que le nôtre. Nous, il n'y avait pas grand choix. Du coup, ça a été un peu dur de trouver des choses sympas. Aucun rapport avec Noël, c'est un pyjama pour mon fils pompier. Oui, oui, il adore les pyjamas avec des voitures, des choses comme ça. Et là, il n'était pas très cher. Je crois que c'était 7 euros l'ensemble. D'ailleurs, je voulais m'acheter un pyjama, mais du coup, j'ai oublié. J'y retournerai. Hein. Et j'ai pris 24-36 mois. J'ai pas regardé dans les plus grandes tailles. Mais ça lui va. Hein. Ça va pas faire 50 hivers. Mais ça lui va. C'est un peu moute-moute. Nous, on aime bien les pyjamas comme ça ici, puisqu'on met pas le chauffage non plus à 40 degrés. Donc c'est bien pour avoir bien chaud la nuit. Comme ça, ils sont bien, mes loulous. Et pour ma fille, on lui a trouvé 2 petits pulls. Plutôt sympathique aussi, donc c'est pas du tout Noël non plus, mais elle est en manque d'un pull. C'est un petit sweat comme ça à capuche à 6 euros. J'ai pris 5-6 ans parce que le 4-5 ans en fait ça commence à être ricrac au niveau des bras. Elle est assez grande, elle a de grands bras, elle est fine, donc des fois c'est pas facile de l'habiller. Et je crois qu'ils étaient à 6 euros, donc j'en ai pris un comme ça. Et un autre, le voici, qui n'a pas de capuche celui-ci, mais toujours à 6 euros. Toujours la même taille, hein, 5-6 ans. Et je le trouvais un peu sympa comme ça, avec les petites fleurs en gris, avec cette petite écriture. Il y en avait vraiment beaucoup à 6 euros, plein de tailles, jusqu'aux 12 ans je crois. Des jolis avec des, pas des sequins, mais des paillettes. Alors ça j'avais peur que ça tienne pas au lavage. Mais il y en avait vraiment pas mal du tout. Donc la qualité est pas trop mal parce que celui de ma fille, il tient très très bien. Je trouve que premièrement pour ça, c'est pas si mal que ça. Ça reste des petits prix et c'est parfois meilleure qualité que Kiabi. Je ne veux pas me faire d'ennemis à ce sujet, mais c'est vrai que chez Kiabi, quand on achète les plus petits prix, la qualité est pas vraiment là, je trouve. En accessoires qui n'ont rien à voir, voilà, des petites chaussettes pour mon crapouillou, parce que il a pas de bonnes chaussettes qui tiennent aux pieds comme ça, donc on lui en a pris. Et on va pouvoir passer au pull de Noël. Mon chéri s'est pris celui-ci. En taille M je crois, ouais, M, il était à 18 euros, donc pour les hommes ils sont pas donnés, mais ça reste un gros pull en laine de Noël, plutôt sympa, c'est kitsch, hein, mais c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Alors mon chéri m'a choisi celui-ci, mais je l'aurais choisi aussi, puisqu'après je suis partie voir dans le rayon, j'ai vu celui que Elodie avait pris dans sa vidéo, Elodie Moitou, elle a pris un avec des lumières. Mais je me suis dit que ça allait être galère à laver quand même. Je sais pas trop comment ça se passe pour le lavage avec la lumière intégrée. Mais celui-ci, il est pas mal. Il a des petits sequins là qui ressortent. Et puis c'est vrai qu'il est craquant. Et il est hyper épais quand même. Il a l'air super chaud. J'ai pris taille L. J'ai peur, mais c'était le dernier hein, en taille L. Il n'y avait pas de XL. Mais ils sont quand même assez larges. Ils sont pas extrêmement longs. Mais ils ont l'air assez larges. Donc je vais l'essayer quand même
pour voir si ça va. J'espère que ça va m'aller parce que sinon je serais triste ou nette. Il n'y avait pas 50 milliards de choix comme je vous l'ai dit. Donc si je retourne, je ne suis pas sûre de retrouver ce que je veux. Pour ma fille, on a trouvé aussi dans le même style pull de Noël comme ça en laine. C'est pour mes deux fils en fait qu'on n'a pas trouvé en version laine. On a trouvé qu'en léger sweat on va dire. Donc c'est un peu dommage. Je vous ai pas dit le prix du mien du coup. Le mien était à 16€ et celui-ci à 11€, donc ça reste raisonnable. Mais l'année prochaine, on en achètera d'autres du coup pour mes fils, quand ils seront un peu plus grands, on en trouvera sûrement d'autres. Et voilà, donc j'ai pris cette fois-ci en 6-7 ans, parce que je me suis dit que ça durera quand même l'année prochaine. Soyons stratégiques un petit peu. On a trouvé celui-là, tout seul, perdu au milieu de nulle part, et impossible d'en trouver un autre, sinon je l'aurais pris pour mon fils en plus grand. Pour mon deuxième fils, il était à 4€, c'est la taille 18-24 mois, donc malheureusement ça va être un peu grand pour mon crapouillou. Et pour mon fils de 2 ans, je sais pas si ça lui ira, faut qu'on essaye. En tout cas, sinon ça servira sûrement quand même pour mon crapouillou de 6 mois. Sinon on le gardera pour l'année prochaine, ça lui servira l'année prochaine. Donc mais 4€, je pouvais pas le laisser passer et c'était le seul. On a fait tous les rayons, impossible de retrouver quoi. Donc et en version vraiment petit pull léger, donc ça faut mettre quelque chose en dessous s'il a un col roulé et tout parce que sinon ils vont se les peler les crapouillous. J'ai pris celui-ci pour mon bébé, donc là celui de 6 mois, c'est une taille 9-12 mois je pense. Qu'est-ce que j'ai pris 9-12 mois exactement, donc celui-ci ça va lui aller cette année à Kezia. Comme il est quand même assez grand aussi, bon ça va être un peu grand hein, mais au moins comme ça, il va pouvoir le mettre un petit peu plus longtemps. Et ils étaient vraiment pas chers ceux-là, ils étaient à 1,80€, donc c'est pas très chaud hein. Si vraiment vous voulez le mettre à l'extérieur, vaut mieux mettre quelque chose en dessous. Mais là pour la maison, pour rester dans la maison, ça ira très bien. Et pour mon fils, on lui a pris celui-ci. Donc voilà, tout le monde a son petit pull entre guillemets ou t-shirt de Noël. Et celui-ci, il était à 1,80€ aussi. Celui-là, c'est pas mal, j'aime bien aussi les motifs. Et donc là, j'ai pris 24-36 mois. Voilà pour mon craquage, enfin notre craquage familial, on va dire, un petit craquage familial, Primark, Noël, tout ça. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous faites la photo cliché en mode Noël. L'année dernière, on avait fait tous avec notre petit chapeau de Noël, vous savez, le chapeau du Père Noël. Et là, du coup, on va changer, on va faire ça, ça peut être sympa. Je me dis même envoyer aux parents, aux tatas et tout, c'est super mignon avec toute la petite famille. Bien sûr, je vous la montrerai pas sur Instagram, puisque je montre pas mes enfants, mais je montrerai peut-être le mien. Ça peut être sympa. Et puis, je pense que vous le verrez de façon portée dans mes vidéos du mois de décembre. Logiquement, j'ai décidé de faire une vidéo par jour au mois de décembre. Soyez au rendez-vous. Je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas des vidéos de 50 minutes. Je pense que ce sera des vidéos de 5 à 10 minutes grand max, tous les jours. Avec soit des choses pédagogiques par rapport à ma classe, soit des petits hauls, soit voilà, des petites vidéos un peu tous les jours, en espérant que vous serez au rendez-vous, voilà, pour c'est comment on appelle ça, des vlogmas. Faudrait que je trouve un nom d'ailleurs. Si vous avez une idée de nom style Karine Mas, non ça fait bizarre, Karine Mas, Miss Boop Mas, bah, essayez de me trouver une idée de vlogmas version Karine, ça serait cool. Mais en tout cas je pense que je vais faire ça parce que j'en ai vraiment l'envie cette année de me lancer dans des vlogmas. Et mais pas forcément que racontage de ma vie hein. Ça peut être des vlogs, des petits vlogs, ça peut être d'autres choses, voilà, j'ai essayé d'être organisée, de faire ça bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous serez au rendez-vous, si vous avez une idée de titre, ça m'intéresse, mettez-moi tout ça en commentaire. Ensuite chez Sephora, j'ai craqué sur le site Sephora et j'avais envie de la nouvelle palette qui est sortie d'Highlighter, The Shiniest by Richard. Richard c'est un mec qui fait des vidéos souvent avec Sephora, dans la chaîne de Sephora. Il a aussi lui une chaîne YouTube, je vous avoue que je la regarde pas spécialement. Pas parce que c'est un garçon, mais parce que des fois je regarde quelques-unes quand ça passe dans mon fil d'actualité, mais je pense pas forcément regarder ses vidéos. Mais là la palette quand je l'ai vue, je me suis dit, elle a l'air pas mal du tout. Donc elle est emballée comme ça dans une petite boîte comme ça, et à l'intérieur vous avez 4 highlighters, mais c'est l'intérieur qui m'a donné envie. Donc c'est une collaboration avec Sephora. Si vous le connaissez pas, le voici, c'est lui. Et voilà, l'intérieur c'est comme ça, donc ça pète, il y a du rose gold, du doré. Je trouve que c'est plutôt joli ce qu'il a fait, c'est vraiment un beau design. Entre la palette Sana et celle-ci, je me suis dit que c'était vraiment sympa. Et puis comme je voulais vous faire un crash test avec un petit peu des produits de youtubeurs ou d'influenceurs, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de compléter avec ça. Donc voici la belle palette, est-ce que vous la verrez bien? Donc elle est sublime, hein. Il y a des motifs sur les trois là et pas sur le dernier. J'essaierai de vous intégrer des swatchs quand, si j'y arrive. Hein.
Mais vraiment, ils ont l'air magnifiques et j'ai hâte de vous en reparler du coup dans une vidéo, comme je vous disais, test. Bien sûr, tout ne pourra pas m'aller, je pense que celui-ci par exemple, en highlight, ça m'ira pas spécialement puisqu'il est vraiment trop foncé pour ma carnation. Mais il peut se mettre par-dessus un petit bronzer pour illuminer, surtout l'été, j'aime bien faire ça, illuminer un petit peu le bronzer. Donc j'ai hâte de tester et d'après ce que j'ai compris, la pigmentation a l'air d'être au rendez-vous parce que Richard, eh ben, il aime bien, d'après ce que j'ai compris, tout ce qui est highlight, il est assez fan et tout quand ça brille, donc j'ai hâte, ça a l'air d'envoyer du pâté en tout cas. Si vous la connaissez, si vous l'avez vu passer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'avais déjà eu ce petit anti-cerne là de chez Sephora, mais je l'ai repris une tonne plus logiquement, plus adapté à ma carnation. Quand je l'avais testé, je l'avais reçu par la marque Sephora et j'avais beaucoup aimé, mais il était un peu trop foncé. Du coup là, je l'ai racheté parce que je sais que ma copine Olivia de la chaîne Olimia Mort l'adore. Et ma copine Lily, que je vous en ai déjà parlé dans mes weekly vlogs, etc., adore aussi. Donc je me suis dit, tiens Karine, tu vas le retenter. Cette fois-ci, je l'ai pris en couleur plus claire, donc je vous l'ouvre pas parce que pareil, je le testerai peut-être dans une vidéo, c'est le où je vais attendre d'en finir un quand même, c'est le 06 Beige Like. Je pense que là il ira bien, il va bien illuminer mon teint et il paraît qu'il est vraiment pas mal, il m'a coûté autour de 11€ parce que j'avais moins 20% sur tout ça, donc ça reste raisonnable. Après, il n'y a pas une aussi grande quantité que d'autres anti-cernes connus. Et j'ai reçu en échantillon pas mal des rouges à lèvres Dior, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et alors ce parfum là, le nouveau parfum Label de chez Jean-Paul Gaultier, mon dieu, je l'ai senti mais divin ce parfum, je sais pas si vous l'avez senti, mais il est divin. Je pense qu'il va rajouter sur ma longue wishlist. Oui, si vous voulez voir ma wishlist, c'est sur ma page Facebook. Elle est juste énorme cette wishlist, faut que j'arrête de la remplir, mais faut que Sephora arrête de sortir des nouveautés, s'il vous plaît. Et pour finir, je suis passée aujourd'hui parce que on est le 31 octobre et il y a eu la sortie officielle de la palette Huda Beauty. Et du coup, je n'ai pas pu résister. Ça fait 2 jours que je l'attends avec impatience. Je l'avais vu lors de mon passage à Marseille. Je l'avais vu en vrai. Mais on ne pouvait pas encore l'acheter. Et du coup, là, j'avais qu'une envie, c'était de l'acheter. Même s'il y a beaucoup d'autres palettes qui m'intéressent. Il y a la Gingerbread de chez Too Faced qui me plaît. Il y a la collection Noël de chez Too Faced. Mon dieu, mais qui a l'air magnifique. Pourtant, à chaque fois, je me dis, non, Karine, essaye de pas craquer sur les Too Faced, les collections Noël, mais elle me donne tellement envie, j'ai tellement envie de toutes les avoir à chaque fois, c'est horrible. Donc Too Faced, il faut qu'ils arrêtent avec leur palette, là, sérieux. Donc elle, qui a sorti sa palette, qui est magnifique. En revanche, 67€, hein, quand même. Alors, j'ai eu à 16€ grâce à un code promo et en plus une carte cadeau que j'avais. Donc 16€, ça va, mais 67€, quand même, c'est pas donné. Et alors, il y a la Metropolis de Natasha Denouna aussi, qui a l'air juste magnifique. Je vous mettrai une photo là. Pareil, wishlist, j'essaierai de me l'acheter pour Noël. Hein. On va essayer de se calmer, hein. On va essayer de se calmer parce que là, quand même, j'abuse en palette. Hein. Je sais. J'ai fait mon tri de palette et j'en ai encore plus maintenant. Je crois que j'en ai plus 130, mais je dois en avoir 140, 150. Bravo, bravo Karine. Hein. D'ailleurs, ma vidéo tri de rouge à lèvres arrivera très prochainement. Je suis en cours, j'ai essayé de la faire bientôt. Vous l'aurez sûrement au mois de novembre. Et si ce n'est pas le cas, au mois de décembre pendant nos vlogmas. J'ai failli oublier, j'ai craqué aussi chez Yves Rocher pour des petites nouveautés, leurs petits gels douche à chaque fois pour les périodes de Noël. J'aime bien acheter leur dernier gel douche et donc les voici. J'ai craqué pour l'odeur au cœur des sapins qui sent très très bon, j'aime beaucoup. Je pourrais pas vous les décrire, hein, absolument pas. Je vous invite à aller les sentir. Et premier flocon, honnêtement les deux se ressemblent, hein. Vous n'êtes pas obligé de craquer sur les deux, mais j'arrivais pas à choisir, donc j'ai pris les deux, c'est pas très très cher. Et celui-ci, je ne pensais pas du tout l'aimer parce que j'adore la gamme à l'argan de chez Yves Rocher, mais là c'est argan et rose, et quand même j'avoue que j'adore, donc j'ai pas pu résister, je l'ai pris, ça m'a rappelé ma grand-mère. Je vous en parle d'ailleurs dans mon weekly vlog que je vous mettrai ici, mais ça m'a rappelé ma grand-mère, ça m'a rappelé mes origines, parce que oui, vous êtes nombreuses à me demander, mais j'ai des origines algériennes, du coup ça m'a rappelé un peu tout ça, donc voilà, je l'ai acheté. Et puis en cadeau, j'ai eu l'huile de douche de la même gamme, argan et rose, donc j'espère que ça sent pas vraiment la rose, hein, ne vous inquiétez pas, mais ça sent vraiment l'argan doux, je sais pas, un truc enveloppant, cocooning, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, j'arrête de parler maintenant, je vous ai assez parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir vos derniers craquages, que ce soit chez Primark, chez Sephora, chez Nocibé, chez ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir ce que vous avez acheté ces derniers temps, si vous êtes plus raisonnable que moi, je pense que oui. Oui, je pense que vous êtes plus raisonnable que moi, vous. En tout cas, je l'espère. Je vais essayer de me calmer. Là, j'ai pas mal aussi acheté pour mes enfants, faut pas croire. J'ai commencé les cadeaux de Noël et tout. Mais je pense qu'au mois de novembre, on va peut-être un petit peu s'arrêter au niveau
maquillage. Enfin, essayez. Des gros bisous, je vous invite à liker cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager, à tout ça, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve très très prochainement dans une future vidéo. Salut! Oui, oui, la prochaine vidéo est un make-up blabla, sûrement. Je vais essayer de vous faire ça très très vite.